Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur Spider-Man PS4. Non vous avez... Putain, ils m'ont encore coupé la parole, putain. Concernant les risques d'atteinte aux libertés individuelles que représentent les tours omniprésentes de la police. Mais au moins, elles visent à endiguer la criminalité. Sauf que récemment, on a aperçu Spider-Man en train de trafiquer ces fameuses tours. Ainsi, mes fidèles auditeurs suspectent qu'il désactive les tours afin de se livrer impunément à des activités malfaisantes. Mais Spider-Man est un spécimen tout particulier de danger public. C'est un maître kung-fu 12e dan de danger public avec 36 coups d'avance. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle il va pirater ses tours. Pour nous espionner, vous et moi. Votre seul moyen de défense, écoutez mes émissions tout le temps. S'il tient à nous espionner, faites-lui savoir qu'on ne se laissera pas faire en m'écoutant moi, matin, midi et soir. Très bien. Donc du coup, on m'a coupé. Et du coup, on se retrouve sur un chantier de fisc. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ça m'a saoulé. Ça m'énerve. Consolidated shipping. Jeff, j'y suis. Qu'est-ce que vous voyez? Trouvez les autres. Le chef veut pas de survivants. On dirait que les démons s'installent sur le territoire de Fisk. Vous pouvez gérer? Ouais, je m'en occupe. Allez, c'est parti, ça commence. Une petite phase d'infiltration, je pense. Ouais. Coucou toi. Allez hop, c'est par là. Donc... je vais aller par là. Personne en dessous. Là, viens là. Personne n'a rien vu. Si, déplace-toi encore, déplace-toi. Parfait. C'est... oh oui! Et celui-là? C'est bon? Oh, ok, c'est bon. Vous avez ce que vous vouliez! C'est pas la peine de nous tuer! Le territoire de Fisk est à nous désormais. Pas encore. Allez, c'est parti. Aïe! Non, ça commence mal. La combi, ça t'amincit. Ne te mêle pas de mes affaires. Attends, les démons, qui est leur chef? Protège mes hommes et je te dirai peut-être. J'ai une question. Si il tient pas le téléphone, je vais devoir sauver des méchants d'autres méchants. Qui c'est qui le tient? Celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Alors, on va s'accrocher ici. Je peux m'accrocher quelque part, quoi? Voilà. Ah toi, t'as pas vu là? Viens là. Allez, passe ton tour. Allez, c'est fait. Tantôt ils m'ont vu quoi. Quoi? Il est pas là? Là, j'ai toute leur attention. Vas-y, fonce, vertiens! Allez, suivant.
Attendez. Coucou. Attrape. Go. Attends, par contre, j'ai quoi? C'est bon? Encore des gens? Je dois vite trouver les survivants. Je peux faire quoi là? Attendez. Non! Laisse-moi faire! Oh oui! Oh non! C'est pas juste! Putain, ça aurait été tellement beau! J'aurais dû le faire avant! C'est fait. Attrape. Attrape. Lui est complètement perdu, ça se voit. Aïe! Enfoiré! Y'a encore quelqu'un? Oh! Oh, regardez! Coucou! Tout va bien? C'est bon là? Ouais! J'ai encore un truc à faire? Fisk, bon. Tes hommes vont bien! À ton tour! Qui dirige les démons? Peut-être qu'il est là, ou peut-être pas. Va voir sur le toit. Rebonjour. Oh, ça saute plus. Oh, comme je m'en doutais tellement. Ah, par contre, ça non. Ah, la tristesse. Sérieux? Allez! On peut le faire. Non, 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 non! Oh, mais la probabilité que ça fasse ça, c'est pas possible. Allez! Vas-y, Spidey. Oui, je l'encourage, je sais pas pourquoi. Je kiffe. C'est tout. Laissez-moi dans mon délire. Oh là là. QTE. Je suis nul en QTE, putain. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi profiter.
Allez. Non. Oh, j'ai failli me tromper là. Oh la vache. Viens là. Dites-moi que je rêve. Non. On m'a signalé un hélicoptère avec une boule de démolition. Ouais, la situation avec les démons, c'est compliqué. Bougez pas, Yori, je m'en occupe. Il faut que j'y arrive. Bah, il est rapide, l'enfoiré en plus. Pitié. Ah. Je vais pas le rattraper à cette table. Ah putain, en plus il va me tirer dessus. Oh, des roquettes. Non, je l'ai prise. Non, oh putain, il est dur en plus. L'hélicoptère est en train de détruire la ville. Je sais. Vous devez absolument l'arrêter. Je sais. Vous pourriez peut-être super agir plus vite. Je fais de mon mieux, Yuri. Je vous rappelle. Oh l'enfoiré, j'ai évité. Non, mais... Quoi ? Je vais pas le regretter. Cours plus vite là, t'es au trop. Hey, c'est bien le vol pour Newark. Quoi? Placez Fisk. Fisk n'est que commandant. Un moteur de moi. Maintenant le deuxième. Je vais devoir vous demander d'arrêter cet hélicoptère, monsieur. Non, touche pas. Un plan. Il m'en faut un et vite. Oh. Ce sera ça le plan. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Et t'auras pas. Voilà, c'est bon. Oh la classe. Et là, l'étoile ne supporte pas le poids et il s'écroule l'hélico. Ce serait trop drôle. Il est super classe ce masque. Tu l'as acheté où? Cool. Merci. Disons un site internet. Oh là là. Hey Yori, j'ai attrapé les méchants, mais. Mais quoi? Il va falloir que vous apportiez une échelle. Allez Miles. Hey, le fanboy. Oh merde, tu es en retard. Tu viens pas? Non, je dois aller à la cérémonie de mon père à l'hôtel de ville. Ah ouais, c'est vrai, bah félicite ton père pour moi. Là, putain. MJ, la cérémonie a déjà commencé? Il s'installe encore. Où t'es? J'ai eu un empêchement. J'arrive bientôt. Ah, c'est intéressant. Faut savoir que Miles, dans l'univers Ultimate qu'ils ont fait il y a pas longtemps, qui a un renouveau de tous les héros, Miles Morales est le remplaçant de Spider-Man en fait. C'est quelqu'un qui a eu les mêmes pouvoirs que lui et malheureusement il a...
Il a pas voulu aider Spider-Man et Spider-Man en est mort contre le bouffon vert, je crois. Il est mort face au bouffon vert et du coup il s'en est voulu et il a décidé de prendre sa place. Et pendant un temps, ça a été le Spider-Man de l'univers Ultimate. Un combat contre un hélico. Et l'univers Ultimate, pour ceux qui se demandent, c'est l'univers une sorte de renouveau pour les comics où ils ont décidé de rafraîchir tous les héros, en fait, de les remettre un peu à neuf, avec de nouvelles origines pour certains et pour d'autres. Si par exemple Iron Man il a eu un renouveau, Spider-Man ça a pas changé, Captain America ça a pas changé, je sais plus trop le nombre de personnes nombre de héros qui ont changé d'histoire de base, mais il y en a eu pas mal, quasiment tous je pense. Donc là on va faire une petite histoire alternative parce que ça sera plus sympa. Madame Carmen, oui je vais bien. C'est mon mari, Rodrigo. Il se comportait bizarrement et je viens d'apprendre qu'il voit une femme. Voilà. Je suis pas le mieux placé pour gérer les problèmes de couple. Non, c'est pas ça. Je crois qu'elle est liée à de mauvaises personnes et que Rodrigo est en danger. Il a peur, mais il refuse de me parler. Je peux aller jeter un œil. Vous savez quand il est censé la retrouver? Ce soir, vers le centre de désintox à Greenwich. C'est noté. Ne vous en faites pas, Carmen. J'irai voir ce qui se passe. Bon, le centre de désintox est pas loin. On va faire cette petite mission annexe et après on va s'arrêter là, les gars. Voyons s'il est dans le coin. J'essaye de réduire un peu les épisodes parce que je vais en faire tous les jours. Je vais essayer de garder le rythme tous les jours. Mais du coup, je vais raccourcir un peu les épisodes pour que ce soit plus gérable pour moi. Allez. Oh. Là. C'est Rodrigo. Il a l'air nerveux. Cette femme me semble pas être sa maîtresse. Je vais la prendre en photo. Peut-être que Carmen la reconnaîtra. J'espère que t'essaies pas de me rouler. Pourquoi je fais ça? Mauvais angle. Je devrais me mettre en face. Donne-moi les plans et tout ira bien. MDR, s'il me crie pas. Ah, impeccable. Parfait. C'est bon? Il en faut d'autres? Oublie pas. Parle de ça à qui que ce soit et je publie la photo. Très bien. Je pense qu'il lui fait du chantage. En vrai. Des plans? C'est peut-être plus grave que je le pensais. Je ferais mieux de suivre notre maître chanteur pour en savoir plus. Carmen, je vous envoie une photo. Cette personne vous dit quelque chose? Non, je l'ai jamais vue. De quoi est-ce qu'il parlait? Je crois qu'elle le fait chanter. Elle a mentionné. Putain, je l'avais dit. Des plans. Mon mari travaille à la sécurité d'un casino à Atlantic City. Elle organise peut-être un cambriolage. Mais il me faut plus de preuves avant de pouvoir agir. Dites-moi si je peux vous aider. Très bien. Je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Non, j'ai fait quoi? Je peux pas les laisser me distancer. Oh bordel. Hop là. Une autre victime? Ou bien un complice? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui là, c'est nouveau. Je vais devoir me placer sous la eyeline. On a mis du temps. Tu les as? Ouais. Il a vu la photo. Superbe cliché. Salut. Nico a jamais eu grand. Non. Ils m'ont capté? Ah, ils m'ont capté! Oh bordel, désolé. Non! Putain, et voilà, j'ai voulu faire le malin en disant ouais, l'IA elle est pourrie et tout. Et bah non. Elle est pas si pourrie que ça. Oh. Une autre victime? Ou bien un complice? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour donc, lui là. Je nouveau. Vais... Hop, on fait ça. Je vais devoir me placer sous la eyeline. Mais on a mis du temps. Tu les as? Ouais. Dès qu'il a vu la photo, il a flippé. Jamais... C'est bon. Voilà. Le patron va être content. Les plans. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Bon, j'ai un train à prendre. Je voudrais pas faire attendre le patron. Ce soir, ce sera le plus gros. Tu m'étonnes.
Combien de personnes sont impliquées? Il faut que je le suive. Il est complètement crevé. Hop. Je peux le suivre là-dedans? Où est-ce qu'il Il a disparu. Si je me connecte au système du réseau, je devrais obtenir l'itinéraire du train. Carmen, le maître chanteur a rencontré un homme sous la Highline. Il avait l'air de connaître votre mari. Je vous envoie sa photo. C'est Deshaun, le meilleur ami de Rodrigo à l'université. Il a fait de la prison il y a quelques temps pour Paul. Il a les plans d'un casino et un casier judiciaire? C'est pas le meilleur combo. Je dois découvrir qui d'autre est impliqué. S'ils visent le casino, il leur faudra au moins un chauffeur et un perceur de corps. Je regarde pas mal de films de braquage. Eh, hey, je vois ça. Je vous tiens au courant de ce que je trouve. C'est le terminus. Je devrais me poster à la sortie du métro et attendre qu'ils sortent. Bon. C'est bon. Tintin. La filature continue. Il se dirige vers cet immeuble de bureau. Hop. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans l'immeuble. Je monte en même temps que lui. Il va plus vite que moi. Ah non, c'est bon. Toc, 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 toc. Spider-Man, Spider-Man. Patron, j'ai les plans. Parfait. Vérifie le panning sur l'écran. J'ai mis nos hommes au tableau. Marque leur position sur la carte. C'est bon là. Eh, le gamin de mon frère. Il est réglo. De toute façon, c'est trop tard. Il est déjà parti chercher le personne. Ok, Roman est prêt et on est à la bourre. Faut y aller. Ils se mettent en mouvement. Bon bah, on va les arrêter. J'ai toutes les preuves qu'il me faut. J'ai plus qu'à arrêter leur voiture. On s'occupe de celle de devant, d'abord, je pense. Comme ça, on va bloquer. Attends, j'essaie de viser celle de devant. Nice! C'est bon. Coucou. Ouais, non, pas touche. Crime. J'adore quand un plan se déroule sans escroc. Hey Carmen, le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Merci. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où Deshaun a commis le vol. Mais Rodrigo ne savait rien. Il pensait simplement déposer un ami. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera Rodrigo. Surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Il le fera. N'en faites pas, ou il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que Deshaun. Merci, Spider-Man. Ouais, bah voilà une bonne chose de faite. Et du coup, on va repasser dans en plein jour. Ça va être cool, ça. Allez. On est à combien de temps de vidéo, là? Une bonne demi-heure, je pense. Ah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vais faire mon petit
un petit tour. Je vais essayer de faire quelques quêtes annexes à côté. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, bye!